Alors, la plante euh, que nous avons le privilège de vous présenter maintenant est une plante aquatique que nous voyons là sous euh, mes pieds. Il s'agit de Nymphée lotus, qu'on appelle euh, en français euh, le nénuphar ou encore en anglais water lily. Alors, il y a beaucoup de plantes aquatiques hein, qui euh, en général poussent. Euh, flottante sur l'eau, euh, qui se ressemble beaucoup, mais celle que nous allons décrire là, nous allons donner les caractéristiques qui permettront de la reconnaître. On voit là d'abord euh, euh, cette plante a des larges feuilles, hein. c'est des feuilles très grandes. Je vais prendre celle-là par exemple, et euh, on peut remarquer la largeur de la feuille, hein, ça peut atteindre euh, là le diamètre hein, jusqu'à 35 cm et euh, donc c'est des feuilles circulaires à bordure euh, dentée des dents vraiment très nettes l'espace entre deux pointes euh, de cette euh, de ce découpage en dents ça peut atteindre facilement on peut voir 3-4 cm hein, d'écartement alors ça c'est déjà quelque chose d'assez remarquable et la couleur de la feuille elle-même en haut, elle va être d'une couleur vert foncé. On va prendre une feuille très développée là, là, elle va être vert foncé en haut, parfois avec des petites taches rouges. Et les nervures sont évanescentes en haut, mais par contre, quand on regarde au dos de la feuille, les nervures sont vraiment en relief. Imprimé de façon très visible. Et euh, il s'agit de nombreuses nervures, bien sûr. Euh, on peut essayer à partir de la fente. Hein. Vous avez dû remarquer qu'il y a une fente hein, en bas de la feuille, une, une grande fente. Mais ça, c'est pas un trait tellement distinctif parce qu'on peut rencontrer ça sur d'autres feuilles. Mais si on regarde cette feuille nette, on voit une fente là en bas, d'accord Alors, si on regarde au dos, donc on a dit la surface. Euh, supérieur est d'un vert foncé tandis que au dos hein, ça va être un vert un peu plus euh, tendant vers le la rouille hein, surtout à cause du séjour dans l'eau le vert n'est pas aussi net et on peut s'amuser à compter un tout petit peu les nervures euh, euh, d'un côté bon, on peut appeler ça la nervure principale hein, les nervures secondaires qui sont là hein, euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 paires de nervures secondaires. Alors, vous avez des nervures tertiaires, bien entendu, qui forment un réseau très dense. Et ce qui est aussi assez remarquable, c'est que cette plante est attachée, en fait, par un... la feuille est attachée par un long, long pétiole. Hein, on ne va pas déraciner celle-là que je tiens, mais on a une autre là qu'on a déracinée. Et on peut voir, on peut essayer de mesurer quelle est la longueur euh, du pétiole. Hein. Euh, en général, ça va être beaucoup plus long que beaucoup d'espèces de, voisines hein, chez cette euh, variété. Donc si je prends là, je mesure le pétiole jusqu'au niveau de la racine, racine qui est euh, un, un rhizome disons tubéreux. Alors euh, si on descend, on descend, on descend, là on va voir là où ça s'attache, c'est disons 1m40 quoi. 1m40 à 1m50 de l'eau. Donc euh, je prends là un pétiole qui est, qui est assez euh, assez euh, volumineux. Là en fait, en fait de pétiole, ça c'est un c'est un pédoncule en fait et qui, qui comporte le, le fruits mais on peut mesurer sur celui-là la longueur euh, du pétiole. Ça fait, euh, le diamètre du moins du pétiole, ça fait 1 cm. Hein. Et c'est la longueur de ce pétiole que nous venons de mesurer en réalité. Hein, euh, si l'eau est plus profonde, ça peut être plus profond que ça. Hein, C'est-à-dire que ça peut atteindre euh, 2 mètres, euh, parfois plus même, selon la profondeur euh, à laquelle on se trouve. Bon, on peut regarder un tout petit peu les racines, hein, à quoi ça ressemble. Et comment les tiges, finalement, l'ensemble de pétiol émerge à partir de de cette racine que nous voyons là. C'est une racine, on a dit, euh, euh, rhizomateuse, c'est-à-dire que ça forme des sortes de tubercules, même si euh, la la structure est très légère en fait. Quand on appuie, c'est une sorte d'éponge. Et là, on peut voir, euh, elles sont nombreuses. Hein Il y en a beaucoup. On peut mesurer le diamètre qui est de l'ordre de 8, 8 millimètres à 1 centimètre, quoi. Et là, ce que je compte, ça peut ça peut vouloir, je pense, une, une vingtaine à une trentaine, hein. Alors donc, depuis cette racine rhizomateuse, qui va s'implanter au fond de l'eau, hein, dans le sol, hein, depuis cette racine, on voit, il y a différentes, différentes structures qui vont monter, là. Là, une structure qui va s'appeler feuille, là, avec un, un pétiole qui va s'allonger, 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 jusqu'à ce que la feuille va se déposer à la surface du sol. Alors, au début on voit ce que ça donne là, ça c'est une jeune feuille, donc il va à un moment donné rester même sous l'eau, après ça va s'allonger comme pour aller chercher le soleil dehors, s'allonger, et on voit une deuxième structure qui va porter la fleur qui va donner plus tard le fruit. Mais c'est possible de voir déjà leur structure. Hein. La, la feuille est là, la jeune feuille est là. Et là, on a une sorte de, une sorte de, de cône hein, qui s'est formée. Et quand on regarde le pédoncule, cette fois-ci, qui porte cette fleur, hein, qui elle aussi va monter, hein, qui va donner plus tard en haut, hein, ce qu'on ce qu voit ici, hein, hein, ça va donner plus tard en haut, ce qu'on voit ici, c'est-à-dire la fleur elle-même, hein, qui va devenir de plus en plus gros. Mais déjà, à la base, on peut voir que... Le diamètre du pédoncule de celui-là, par exemple, c'est 15 mm environ contre, contre ici, pour la feuille, qui est le pétiole, donc contre, contre disons, 8 mm. Donc, c'est du simple double. En général, donc, les, les fleurs vont être portées par les pédoncules, qui sont beaucoup plus gros que euh, le pétiole. Alors, donc, avec le développement, cette fleur va monter. Alors, ça va monter et on obtient cette, cette forme ovoïde que l'on voit finalement au-dessus de la surface de l'eau hein, euh, à l'extérieur bien sûr on voit ce sont les sépales hein, les sépales et en dedans on voit immédiatement les pétales qui sont de couleur blanchâtre alors si on soulève un tout petit peu ces, ces pétales euh, ces sépales du moins hein, les premières qui sont de couleur verdâtre avec des stries de, de blanc, hein, comme des espèces de nervures. Alors, il y en a quatre. Je compte là, un, deux, trois, quatre. Alors, euh, la fleur va continuer son développement. Elle va continuer son développement. Là, là. là. On obtient un, un beaucoup plus gros, là. Là. là on peut essayer d'ouvrir ça pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais à la base de celui-là qui est pleinement développé déjà, on peut voir combien un diamètre de l'ordre de 6 cm, hein. 6 cm de diamètre compte une hauteur, donc le bouton de fleur va faire une hauteur d'environ de 9, hein, parfois 10 cm. On a des, des trucs, euh, des fruits, qui sont, des fleurs qui sont beaucoup plus grosses. Hein. Et donc avec le développement, avec le développement, voilà une autre, une autre fleur, là, je peux donner les dimensions hein, du bouton de fleur. Et, et là, on a combien Jusqu'à jusqu 12 cm hein, depuis la base. Donc euh, avec le développement, on peut voir là, la fleur, on peut déjà regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Hein, quand on ouvre, hein, on peut compter aussi, les. Ah, il y en a beaucoup. D'abord euh, on a compté qu'il y avait quatre sépales, quatre mais les pétales, qu'est-ce qu'on qu qu va trouver comme nombre Alors, hein, surtout qu'elles se recouvrent là, hein, les pétales se recouvrent, donc je vais faire descendre carrément ces, euh, ces éléments euh, de sépales pour voir euh, qu'est-ce qu'on obtient comme, 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 comme pétale. je compte là. Euh, combien là déjà. voilà. je compte un élément ici. deux, deux, deux éléments. deux trois, trois. trois. quatre. quatre, quatre éléments. Euh, euh, et sont, euh, et les, les éléments de pétale sont euh, gros. plus gros à l'extérieur qu'à l'intérieur. bien sûr. Je dis 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, euh, formé, ça forme une sorte de couche. Hein? 7, 8, il y a un autre à l'intérieur. 9, 9, et 10, 10, 10, 11, 11, 11, euh, 11, je compte là. 12, 12, 13, tout ça formant la couche, euh, 14, euh, 15, euh, je compte 16, euh, 17, euh, 18, peut-être il y a un petit aussi là, 19, en tout cas c'est une vingtaine, hein? et on voit à l'intérieur de ça, on voit toujours là euh, aussi des éléments qui montent, qui sont des éléments, euh, euh, des éléments filaires. Euh, donc de forme filiforme, hein, aplatie. Et là, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde, on les couche. On les couche, en réalité, on va se rendre compte qu'en fait, il s'agit des étamines. Les nombreuses étamines qui sont là. Hein. Des nombreuses étamines, alors on ne va pas les compter, hein, parce que je pense qu'on en a bien là une, une quarantaine hein, d'étamines. Et donc, euh, avec le développement, vous avez l'organe, L'organe femelle, bien sûr, au milieu, où il y a l'ovaire, donc il va avoir une fécondation. Et après ça, on obtient donc ce que nous voyons là, c'est le fruit. Alors, cette espèce donne des fruits aériens, bien sûr, ça sort de l'eau. Tandis qu'il y a d'autres espèces qui forment des tubercules à l'intérieur, dans le sol, donc à l'intérieur de l'eau. Alors, si on veut voir, on va appuyer sur le côté, on appuie sur le côté, là, on voit déjà les graines. Qui sortent de nombreuses petites graines de couleur rose, donc on voit à l'intérieur hein, c'est nombreuses ces milliers de graines dans chaque enveloppe. Quand on appuie un tout petit peu, on peut enlever la fine pellicule qui protège l'enveloppe. Hein. Et donc, ces graines sont ici de couleur, euh, on va dire quoi, couleur marron plutôt. Hein, mais c'est parce que c'est pas à maturité quand ça va euh, être vraiment mûr. Hein, quand c'est mûr, bon, on peut tenter de donner les dimensions hein, d'une de, de, graine. Hein, c'est de l'ordre de 1 mm. Et donc avec le temps euh, et la maturation, euh, mais on peut donner les dimensions hein, d'une graine. Hein, c'est de l'ordre de combien On va dire 1 mm. Hein, 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 ce sont des petites sphères hein, qui sont de couleur euh, marron ici. Mais sur cette espèce, précisément, donc, euh, que nous sommes en train de montrer ici, et eh bien, à maturité, ces graines vont devenir noires. C'est en ce moment que les populations locales consomment vraiment, parce que quand c'est immature comme ça, en fait, quand on les croque, euh, bon, on peut les manger, hein, mais euh, après, ça peut donner euh, des maux de ventre à certains et puis euh, euh, des, des douleurs urinaires au moment d'uriner, ça brûle un peu. Mais sinon, c'est des graines qui sont, qui sont très appréciées par les populations locales, et donc. Euh, qui contiennent même un tout petit peu d'huile. Hein, on sent le lipide là-dedans lorsque on croque. Euh, juste pour préciser un peu plus, hein, euh, par exemple, j'ai récupéré là à ma droite un fruit que j'ai cassé. On voit la, la graine qui est en train de noircir en fait, tandis qu'à gauche c'est quand vraiment marron. Donc ça c'est vraiment plus avancé vers la maturation que ce qui se trouve là. Et donc euh, c'est ça. Lorsque c'est bien mûr maintenant, noir, alors les populations les consomment. En ce moment, il n'y a pas de problème d'indigestion du tout ou de brûlure euh, au moment d'uriner. Donc c'est cette euh, euh, plante merveilleuse hein, que nous sommes en train de, de faire connaître par cette cette vidéo. Bien sûr, euh, à part le fait que les graines sont consommées, euh, et, elle sert aussi hein, à des applications. Euh, euh, chez les herboristes, mais nous allons lister cela à la fin. Pour l'instant, nous pouvons donner quelques noms locaux de cette plante. En ce qui concerne les noms euh, dans les langues locales, maintenant, eh bien, au Mali, par exemple, l'effet euh, euh, lotus est appelé euh, ngoku ngoku par les Bambara ou les Malinke. Et euh, quand on passe euh, côté euh, côté euh, Niger, en Bériberie, ils vont l'appeler Bodo. Ou bien à Bado. En Peul, là-bas, au Niger, ils vont l'appeler Baloli. En Tamashek, Tikendent. En Zarma, Dundu. Au Sénégal, euh, les Diola de Casamance vont l'appeler Egobol. Et les Malinké là-bas, là, vont l'appeler Bokoyo, ou bien Goku. Alors au Togo, en Ewe, anyway, ils vont dire Tofla. Tofla. Euh, disons que les Wolofs au Sénégal, hein, on n'avait pas donné ça, vont appeler ça Dagar. Dagar. Euh, tandis qu'au Bénin, en fond, ils vont l'appeler Tokago. Ou bien Tofla. Euh, les Peuls du Bénin vont l'appeler Sotodiamé diamé Soto euh, Voilà donc euh, quelques noms. Euh, mais on peut donner aussi au Burkina. Si on part maintenant au Burkina Faso, hein. Euh, du fait qu'il y a une ressemblance euh, entre les petites graines que vous voyez là, avec euh, les graines de mille, hein, surtout le petit mille, et bien les moussis par exemple vont l'appeler guenki, euh, guenki, -qui. Euh, guen -qui, qui étant le, le, le mille en fait. Et donc euh, bien sûr à ne pas confondre avec euh, une autre plante aquatique, hein, qui a à peu près le même type de feuilles, même si les feuilles sont moins larges, euh, que les Burkinabés appellent guinle. Hein, guinle. Alors, euh, bien entendu, dans une autre vidéo, nous allons tenter de montrer euh, cette plante. Euh, Celle-là s'appelle guinle parce que les fruits se forment, non euh, dans la partie aérienne cette fois-ci, mais sous forme de tubercule. On peut déjà montrer même euh, une de ces, un de ces tubercules. Alors, euh, bien entendu, euh, à ne pas confondre euh, avec cet autre nénuphar. Hein, euh, que les Moussis appellent au Burkina guinlé euh, guinlé guin qui donne des fruits sous forme de tubercules qui sont euh, qui sont aussi consommés hein, en les faisant bouillir avec de la potasse et, et que les populations apprécient euh, grandement alors que nous euh, pensons dans un futur euh, très proche euh, couvrir également cette seconde plante alors maintenant donc euh, voilà ce que nous venons de décrire euh, sur euh, euh, nymphaea euh, lotus devrait pouvoir permettre de reconnaître euh, cette plante hein, qui pousse euh, souvent euh, dans les endroits marécageux au dessus des lacs hein, hein, surtout quand il y a un plan d'eau donc ça va pousser et c'est beaucoup beaucoup utilisé par le et voilà donc euh, ceci euh, euh, disons est la fin de, de cette présentation de cette euh plante merveilleuse, hein, que l'on voit encore ici, là, avec euh, cette forme de fleur ovoïde, la prochaine fois que vous promenerez au bord d'un lac, et, et ça, il ne faut, faut pas confondre non plus avec la jacinthe d'eau, hein, qui, est, qui est très envahissante, et que l'on voit euh, sur les barrages, surtout là où il y a eutrophisation, hein, dans certains cours d'eau, euh, où l'eau ne, ne circule pas fortement, on a vu dans les canaux d'irrigation, par exemple, la jacinthe d'eau, euh, mais il ne s'agit pas de ça. Nous avons présenté là le nénuphar, hein, qui a bien entendu que l'on trouve plus rarement euh, dans des endroits où il y a eutrophisation, notamment les, les trois barrages par exemple du Burkina Faso. Euh, C'est un problème majeur là-bas. Aussi euh, au Mali par exemple, sur le canal de Bagineta, on trouve beaucoup de, beaucoup de jacinthes d'eau qui bloquent même les, les ouvrages qui sont installés sur les canaux d'irrigation. Il ne s'agit pas de ça ici, même s'il si est possible qu'on couvre aussi la jacinthe d'eau un jour. Voilà, donc ceci euh, devrait être euh, suffisant pour reconnaître la, euh, le water lily ou bien encore le nénuphar.